7 préliminaires secrets pour faire fondre votre homme de plaisir. Promesse alléchante, n'est-ce pas, les amis? Bonjour, c'est Fabrice Julien, coach auteur, expert en séduction et sexualité depuis 2010, notamment auteur du livre Le guide de la bonne amante. Et dans cette vidéo, je vais vous donner 7 préliminaires qui vont le faire fondre de plaisir. Je vous dis tout juste après l'intro, les amis. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Le premier préliminaire, vous pouvez le faire par exemple au rendez-vous. Vous êtes au restaurant, vous êtes à un bar, boire un verre, peu importe. Vous allez faire en fait un regard un petit peu coquin tout en faisant un geste phallique de haut en bas, par exemple sur votre paille ou sur votre verre. L'air de rien. Je t'assure que ça, en le regardant d'un air coquin, le mec, il va se faire des idées, etc. Donc il faut bien sûr l'audace de le faire, l'audace de soutenir le regard, l'audace de penser que tu fais ça l'air de rien, mais qu'en fait, tu fais un truc super érotique, tu vois. Donc ça, le regard plus ce genre de geste phallique, tu peux le faire sur une paille, sur un verre, enfin sur n'importe quoi un peu en hauteur, ça, c'est extrêmement puissant, tu vois. Deuxième truc dont j'ai envie de partager avec vous, c'est par exemple lui envoyer un texto un peu avant le rendez-vous ou pendant le rendez-vous en discuter et lui dire ou lui écrire, du coup si c'est par texto lui écrire, si c'est en face lui dire un scénario en fait, comment vous aimeriez qu'il vous baise. Par exemple, vous êtes en train de vous chauffer, vous allez vous voir, je sais pas, le lendemain, vous êtes en train de vous chauffer le soir la veille sur Tinder. Et tu lui dis, moi mon rêve c'est qu'un mec, j'espère que tu seras capable, me tienne fermement quand il me baise en levrette ou me jette sur le lit et me fasse un cuni, me fasse jouir comme ça avant même de me prendre. Je sais pas, décrire quelque chose, alors décrire bien sûr, j'adorerais sentir sa force, tu vois, tu décris un maximum ce qu'il va te faire pour le chauffer et en même temps tu le flattes. Aucun mec est jamais arrivé à me faire jouir en cuni. J'espère que tu vas arriver. Je désespère de tomber sur un mec qui y arrivera. Tu vois, tu peux le flatter aussi, qu'il se sente unique, qu'il ait envie de le faire. Tu vois. Et du coup, tu vas te retrouver avec un mec qui va être super chaud et en plus qui va te baiser comme tu rêves d'être baisé. Quoi. Troisième préliminaire, c'est discuter de vos fantasmes. Bon, c'est un préliminaire, en fait, c'est un préliminaire qui peut servir à juste après avoir fait l'amour. C'est un préliminaire pour la fois d'après. Je m'explique. Moi, je fais souvent ça, par exemple, quand je couche avec une fille. Après, on baisse bien, elle a bien joui, et puis on parle de nos fantasmes. Ça peut être faire un plan à trois, aller en club libertin, j'en sais rien. Et le fait d'en parler, de se dire peut-être la prochaine fois on fera ça, ça chauffe super pour se voir la fois d'après, et peut-être pour faire ça. Donc en fait, ça chauffe de ouf, rien que d'en parler de ces fantasmes. Quand tu les évoques, tu les vis un peu, tu vois, et ça c'est super, super puissant. Donc discuter de ces fantasmes. Quatrième préliminaire dont j'ai envie de vous parler, les amis, c'est si vous voulez, de s'habiller avec des sous-vêtements sexy. Bien évidemment, les hommes sont très sensibles aux jolis sous-vêtements. Et en fait, se déshabiller de manière jolie, que ce soit en le frôlant, mais qu'il n'ait pas le contrôle, que ce ne soit pas lui qui vous arrache vos fringues, voilà. Que ce soit, non, non, c'est moi qui me déshabille, tu me regardes. Pourquoi pas même, tu vois, en se dandinant un peu ou en dansant devant lui, en faisant un striptease, ou, voilà. Et se déshabiller, qu'il n'ait pas le droit de toucher, tu vois, pendant un temps, ça va le chauffer de dingue, tu vois. Numéro 5, le lécher, notamment lui lécher le cou. J'ai une vidéo précédemment, 3 zones secrètes pour le faire hurler de plaisir. Je parle du périnée, je parle de l'oreille, je parle de la colonne vertébrale. Je vous invite à voir cette vidéo pour plus de détails. Là, je vous parle du cou, le lécher dans le cou, l'embrasser dans le cou. Là, c'est hyper sensuel, tu vois. Le sixième préliminaire secret pour le faire hurler de plaisir, c'est en fait vous-même de montrer que vous avez du plaisir. Par exemple, je sais pas, il vous toucherait rien que là. Faire, montrer que vous prenez du plaisir, gémir ou expirer comme ça. C'est en fait un homme, il a dans ses objectifs, dans sa tête, ce qui l'excite, c'est de te donner du plaisir. Souvent, les femmes, elles ont l'image d'un homme qui veut éjaculer en 2 secondes comme un égoïste. Bon, il y en a, hein.
Mais la plupart du temps, les hommes, ils veulent avoir la satisfaction de t'avoir fait jouir, tu vois. Et du coup, si tu montres ce qui te fait du plaisir, la plupart des hommes, ils font pas jouer les femmes parce qu'ils savent pas s'y prendre. Mais si la femme, elle montre ce qu'elle aime, par exemple, tu gémis comme ça, ça va l'exciter de ouf de la faire jouir, tu vois, de lui donner ce qu'elle veut. Donc, j'avais écrit « ronronner de plaisir quand il vous touche où il faut ». Ben voilà, c'est ça exactement, tu vois, c'est « ah, c'est bon, tu fais ça, ça va l'exciter de ouf de savoir qu'il fait un truc bien. Et le septième préliminaire qui va faire fondre de plaisir, c'est un truc, j'en parle souvent, il y a différentes positions pour sucer. T'as des filles qui sucent un peu allongées sur le lit, un petit peu bossues, recroquevillées, voilà, parce que c'est pratique, mais c'est pas sexy du tout. Si tu commences à sucer en te cambrant bien et tout, c'est vraiment différent. Et pour moi, le meilleur préliminaire au niveau de la fellation, c'est de sucer à genoux. Tu te mets à genoux, il voit ta courbe des fesses, il te voit ta tête faire sucer comme ça, là. En plus, c'est même s'il peut donner un peu le rythme avec la main, je dis pas qu'il doit te... Hein, voilà, mais juste un peu, il y a... Oh. Parce qu'il a peur que tu fasses n'importe quoi avec sa bite, il te confie sa bite, quoi. Je veux dire, donc les femmes qui disent me touche pas, non, c'est un peu de la protection aussi, même si, voilà. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est sucer à genoux, c'est un préliminaire qui fait décoller de ouf, quoi. Voilà, j'espère que vous avez aimé ces 7 préliminaires secrets pour faire fondre un homme de plaisir. Qu'est-ce que vous utilisez, vous, pour faire fondre votre homme de plaisir? Dites-le moi dans les commentaires de la vidéo, ça me donnera peut-être des idées pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé de ces 7 astuces. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous. Et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à découvrir le guide de la bonne amante. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous, les amis.